C'est drôle, a dit ma mère. Comme les animaux nous ont appris à être plus humains. C'est à peine si je le tente. Beatrice Alemagna est née à Bologne en 1973. Elle a donc 45 ans, ou plutôt 5 fois 9 ans. Dès son plus jeune âge, son rêve était de dessiner pour les enfants comme elle. J'avais cette idée dans ma tête. Pour moi, les livres, c'était des romans et les dessins, c'était des peintures. Et moi, je voulais être la peintre des romans. Et ceci, je l'ai écrit dans une rédaction. J'avais 6 ans dans ma rédaction au CP. Rien n'est derrière moi. Tout est encore très présent. Des odeurs, des sensations. Je ne suis pas une petite fille, mais j'ai un fort lien avec cette petite fille que j'étais. À Bastia, les enfants ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont de la chance de voir une artiste maintes fois primée, saluée entre autres par le New York Times. Ils ont leurs propres rêves. Tiens, des rêves d'enfants, justement. J'aimerais penser à autre chose, moi. Pourquoi ? Mais Parce que moi, j'ai une autre idée en tête. C'est quoi ? C'est de devenir dompteuse d'animaux. J'essaie pas forcément de leur donner du rêve. Moi, j'essaie de leur donner des moyens pour réfléchir. Je n'aime pas non plus donner des réponses. J'aime plutôt ouvrir des questions. Parce que je pense qu'un enfant qui se questionne est un enfant qui va trouver par ses propres moyens ses réponses à lui. Trouver malgré tout des réponses dans un monde décidément compliqué, imaginerait-on que l'art puisse y aider ? Parions que oui.